Bonjour, je vous en prie, installez-vous. Alors, juste une petite minute, s'il vous plaît. Merci. Alors, vous êtes... D'accord. Pile à l'heure. Donc on se rencontre aujourd'hui dans le cadre d'un entretien pour un stage dans notre entreprise ASMR. C'est bien ça? Puisque vous avez répondu à l'offre d'emploi en tant qu'artiste vidéaste ASMR. Tout va bien jusqu'ici. D'accord, très bien. Alors, votre candidature a retenu notre attention, puisque votre profil correspond tout à fait à ce que nous recherchons. Et donc, aujourd'hui, dans le cadre de cet entretien, donc j'aimerais que vous me parliez un peu de votre parcours, de votre projet professionnel. Et ensuite, je vous expliquerai donc ce qu'est notre entreprise, le poste à promouvoir et les missions proposées. Alors, avant toute chose, j'aimerais savoir si ça ne vous dérange pas, si je note les informations que vous me donnez dans notre base de données pour que nous puissions plus facilement nous rappeler de votre candidature et donc de revenir dessus ultérieurement. Merci. Alors, allez-y, je vous en prie. Pouvez-vous m'expliquer votre parcours et vos études jusqu'à votre premier emploi? Qu'avez-vous fait ensuite? D'accord, c'est une école très prestigieuse en effet. De quelle année à quelle année? D'accord. Très bien. D'accord. Avez-vous un CV avec lettre de motivation ou autre document avec vous? Merci. Donc je vois que vous regardez des vidéos ASMR, vous faites ça régulièrement avant de vous coucher, d'accord. C'est un réel atout puisque le fait de regarder régulièrement des vidéos ASMR donc vraiment aide à trouver de l'inspiration et donne également beaucoup d'expérience dans le domaine. En tout cas, je suis très impressionnée par la qualité de votre dossier. Votre CV me plaît beaucoup. Donc, je vois que vous avez également travaillé chez Whisper Company. Donc, en regardant votre parcours, je vois que vous êtes une personne très déterminée. Oui, c'est une très grande qualité pour ce travail parce qu'en effet,
Il faut beaucoup d'efforts et de patience pour réaliser une vidéo ASMR de qualité. Et une fois que c'est fait, le contenu peut ne pas plaire à certains de nos clients. Et malgré tous vos efforts, voilà, il se peut que ça n'ait pas l'effet escompté. Malgré ça, il faut savoir persévérer et se dire que l'on apprend de nos erreurs. C'est pour ça que la détermination est un réel atout ici. Et dans la vie en général, bien évidemment. Je vois que vous faites du sport. C'est un sport qui demande beaucoup de patience en effet. D'accord. J'ai toutes les informations dont j'avais besoin. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais vous poser donc quelques questions. Donc, il n'y a pas de questions pièges, ce sont des questions très simples qui vont me permettre donc de déterminer votre profil et de savoir un peu plus de choses sur vous, tout simplement. D'accord ? Alors, c'est parti. Tout d'abord, quelles sont pour vous les qualités principales d'un bon artiste ASMR ? Très bonne réponse. Ensuite, êtes-vous quelqu'un d'autonome? Ben, c'est parfait. Alors, c'est une des qualités requises pour ce poste, puisque vous travaillerez seul pour faire vos vidéos, même si bien sûr le responsable du stage sera à votre disposition si vous avez besoin d'aide ou d'informations. Vous n'êtes pas laissé de côté, rassurez-vous. Alors, vous postulez pour ce stage en tant qu'artiste vidéaste ASMR. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous voulez faire plus tard, donc dans 5 ou 10 ans environ? Très bien, très intéressant. Qu'est-ce qui vous motive le plus pour obtenir ce poste? Pourquoi avoir postulé pour ce stage? Votre ancien emploi chez Whisper Company a duré combien de temps? D'accord. D'accord. Avez-vous des enfants? D'accord. Et enfin, donc, comment vous organiserez-vous si vous obtenez le poste pour produire des vidéos ASMR régulièrement et ponctuellement surtout? D'accord. Très bien. Le mercredi et le dimanche. D'accord. C'est très bien. D'accord. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions.
Maintenant, j'aimerais vous parler donc de notre entreprise ASMR, si vous le voulez bien. Connaissez-vous la devise de notre entreprise ? Tout à fait, excellent. Donc, notre entreprise ASMR, en français, réponse automatique des méridiens sensoriels, a pour but vraiment de réunir et de former les meilleurs artistes ASMR pour procurer le plus grand bien-être et la plus grande relaxation possible pour nos clients. Donc nous recherchons quelqu'un qui soit vraiment, qui sache vraiment reproduire cette sensation de confort et d'apaisement et de sérénité. Alors pour ce stage, il y aura donc 2 semaines de formation où vous devrez apprendre toutes les techniques de relaxation, donc les triggers comme on les appelle, ou comment donner des tingles, donc cette sensation très agréable de frisson que l'on ressent quand on écoute ou qu'on regarde quelque chose d'apaisant. Mais vous devez connaître ceci étant un habitué, j'imagine. Donc après ces 2 semaines de formation, vous pourrez alors commencer le stage en tant qu'artiste ASMR. Le support sera donc bien sûr les vidéos. Vous commencez par les vidéos ASMR comme vous les voyez sur YouTube, j'imagine. D'accord. Donc l'avantage avec les vidéos, c'est que vous choisissez votre environnement. Le but étant bien évidemment que ce soit confortable et apaisant. Et vous pouvez travailler chez vous. Donc de plus, une des qualités principales de notre entreprise est également la possibilité d'évolution qui est énorme. Donc vous commencez par une vidéaste ASMR, mais vous pouvez très vite évoluer et choisir une voie plus précise telle que compteur, masseur ou maître Reiki. Voilà. Donc comme je vous le disais, pendant les 2 semaines de formation, vous devrez apprendre tous les triggers. Pouvez-vous me dire quels triggers vous connaissez actuellement ? D'accord. Très bien. D'accord. Donc, les triggers les plus connus sont le tapping, comme vous l'avez cité. Il faudra trouver votre propre manière de faire du tapping parce que certains de nos clients l'aiment doux et lent et d'autres le préfèrent plus rapide et plus agressif par exemple. Donc il faudra jouer avec toutes ces variations. Il y a aussi le bruit de l'eau qui est un trigger très répandu. Ou le bruit des touches du clavier sous les doigts est quelque chose de très relaxant également. Donc tout ça pour vous dire que beaucoup de choses peuvent procurer ces tingles donc que nos clients recherchent particulièrement. Donc c'est pour cela que nous recherchons vraiment quelqu'un d'innovant et de créatif pour ce poste, car les possibilités de relaxation sont infinies. Et dans notre entreprise, nous cherchons vraiment à exploiter toutes ces possibilités. Voilà. Alors, je crois que je vous ai tout dit à propos de notre entreprise et du stage. Avez-vous des questions ? Oui, je vous en prie, allez-y. Alors, est-ce que je peux me permettre de noter vos questions ? Merci. Allez-y, je vous en prie.
Alors, nous allons noter vos performances par rapport à plusieurs critères. Donc, l'innovation est très importante. Donc, cette créativité, nous pouvons la juger par exemple le plus dans le roleplay et dans les détails. Donc, la voix, l'expression, les gestes avec vos mains, comment vous vous exprimez et autres. Voilà tous les détails de la vidéo pour que ce soit le plus relaxant possible. Mais avant tout, nous tenons vraiment à retrouver la passion de l'ASMR. Voilà. Alors oui, tout à fait, allez-y. D'accord. Alors, puisque pour l'instant vous travaillerez à domicile, vous êtes indépendant du groupe des autres artistes ASMR, donc qui ne sont pas vidéastes. Cependant, nous organisons des team buildings environ 3 fois par mois pour analyser l'évolution des projets de chacun de nos employés, donc pour vérifier si tout va bien, si les employés ont des besoins ou des requêtes à nous soumettre. Et dans 99% des cas, il y a une réponse positive à ces requêtes. Alors, ai-je répondu à toutes vos questions ? Très bien. Alors, quelle serait votre date de disponibilité ? Parfait. Très bien. Donc tout ça me paraît assez clair. Votre profil correspond parfaitement au poste qui est à promouvoir. J'ai encore un candidat à rencontrer pour ce stage, donc je vous joindrai par téléphone dans la semaine pour vous donner les résultats de cet entretien. Merci à vous d'être venu et très sincèrement, vous semblez être la personne idéale pour ce poste. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.